Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.0. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs choses à faire dans cet épisode. Principalement, si je veux avoir le Heating EPP Upgrade, EPP Upgrade, il me faut plus de Durasteel, principalement. Et donc, pour cela, on va aller en chercher. Pour aller en chercher, il suffit d'aller sur la bonne planète. En l'occurrence, nous allons prendre pas une températe, mais plus une radioactive. Enfin, un système radioactif, en tout cas. Voilà, voilà. Ça, c'est des océans J'ai lu avant, vous voyez, regardez, c'est des océans entiers de poison. Ça ne m'intéresse pas. Faut que je puisse creuser un minimum. Non. Non plus. Non. Ah. Et là, il y a du Durasteel. Donc c'est là que nous allons. Ensuite, une fois qu'on en aura aussi suffisamment, qu'on aura fait ça, ceci, pardon, on pourra aussi se faire toute l'armure Outrider. Qui, elle, nous rapportera aussi normalement un petit peu plus. Mais bon, ça c'est encore à voir. Suivant ce qu'on aura en quantité. Ici nous n'avons plus rien à faire. Cependant nous allons pouvoir aussi commencer à chercher tout ce qui est forcément violium, ferrosium, aegisalt. Et ensuite forcément le reste aussi hein. Donc on voit que le solarium est revenu. Sous quelle utilité, je n'en sais rien véritablement. Pour ce qui est du Durasteel, vous voyez qu'on en a plus suffisamment du tout hein. Ça c'est clair. Et donc on aura aussi les différents add-ons. Voilà, manipulateur. Et est-ce qu'il est le dernier ou est-ce qu'il est le dernier séparateur. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment les mêmes au niveau du visuel ou pas? Non, il y a juste une pierre qui change au milieu. D'accord. Je ne sais pas si je pourrais mettre les trois sur la même. Ça, je ne le sais pas. Cependant, ce que je sais, c'est que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, le Heating EPP qui protège. Donc voilà, on a le radiation qui protège des radiations, celui-là qui protège du froid. C'est celui qui chauffe justement. Celui-là c'est celui qui refroidit donc il protège du chaud. Celui qui protège du chaud, littéralement le cooling, protège aussi de tout le reste. C'est le violet, c'est le rang violet. Il protège donc de tout le reste aussi au passage. Donc voilà, ça va être extrêmement pratique. Donc. Bon j'ai perdu mes buffs parce que je me suis nourri entre temps mais c'est pas grave. C'est pas extrêmement grave, allons-y. Alors. Vu qu'on recherche principalement des minerais, je pense qu'on ferait bien d'aller creuser. Aïe, raté. Voilà. Raté. Mais avant ça, j'aimerais fouiller la planète, tout simplement. Voir s'il n'y a pas un village ou autre chose. Vous êtes mauvais les mecs, hein. Aïe, j'ai rien dit. Boum. Eh bien, boum. Voilà, problème résolu. J'aurais peut-être dû utiliser l'orbe de soin, littéralement. Hop. L'orbe de soin de Zenyatta. Hop. Oh. Un joli petit coffre. Oh. Que les trucs que je cherchais déjà avant. Mais que maintenant je peux crafter. Je crois que c'est fait exprès, hein, en un sens. Oh là là, ils sont nombreux les bestioles ici, hein. Aïe, ils font mal. Hop. Voilà. Au revoir. Ça peut être agressif celui-là. Non, ça va. Ok. Des fois je me dis que ce jumping wall là, ce wall jump pardon, est un petit peu casse-couille. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une zone de soins. Et en attendant que la zone de soins me soigne, je vais me nourrir. Je vais me nourrir de quoi, cela dit, de ça. Hop, voilà. Crac. Et ça m'aura finalement soigné. Ok, bon, c'est bon. C'était efficace. Hop. On monte.
Alors je sais que je devrais plutôt que de le lâcher comme ça, je devrais rester tant que je suis pas arrivé tout en haut, mais bon. Hop. Voilà. Eh ben on trouve pas grand-chose niveau biome, enfin niveau donjon. Hop. Merci de revenir plus tard. Alors là, il y a forcément quelque chose là-dedans. Tiens, j'aimerais bien essayer un truc. Si on arrive à contaminer en fait de l'eau, est-ce que je peux soigner le poison avec de la healing water? Non. Dommage. Ça aurait été intéressant d'arriver à faire ce genre de choses. Aïe. Bon. De toute façon. Quitte à être empoisonné. Autant espérer qu'il y ait un truc dans le fond. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je pensais que c'était un truc dans le fond qui était planqué, justement. Mais non. Tu t'es viandé, Marcus. Tu t'es viandé. Hop. On accélère le soin. Crac. Bon, bah la suite. Ah, bonjour. Tu t'enfuis de ton propre camp? Peut-être pas la meilleure des idées que t'aies eues, ça, non? Bon. Yo. Encore? Ah là là, le poison. Vous êtes quand même pas bien malin. Il y a une marche devant vous, vous n'arrivez pas à la grimper, quoi. Voilà. Oh! J'ai eu la cape des cultistes. Regardez. Hop. Oh, c'est stylé! Non, j'ai l'air d'un bourreau ou presque. C'est rigolo. Hop. Voilà. Et c'est vrai, il y a le tech hall aussi. Il faut que j'y pense à ça. Qui est extrêmement pratique. Ce qui manque juste dans ce jeu, c'est un moyen de trier ses propres coffres. Ou alors quand on trie notre inventaire avec un coffre ouvert, que ça trie aussi le coffre, quoi. Mais bon, ça doit pouvoir se trouver en mode. On va trouver ça. On va se faire une série, normalement, modée. Mais alors, modée de la mort, hein. On verra combien de mods le jeu peut supporter. Modé de la mort, donc après la série entre guillemets principale ou en parallèle si jamais j'ai de la place au niveau des séries. Merci. Merci le jeu. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Alors, un petit coup de soin, ça fait toujours du bien. Turn fruits. Voilà. Crac. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pixels. Bon. Bonjour. Ouais. Tu vends pas grand-chose d'intéressant. Je te laisse la vie sauf cette fois-ci, mais. Ah, je m'attendais à un donjon. Bah voilà. Ouais, mais donjon agressif du coup là. Donc ça ne m'intéresse pas, moi je cherche une ville, moi. Monsieur. Oh, un biome. Un biome. Alors c'est les biomes arc-en-ciel à l'époque, mais alors comment ils s'appellent maintenant? Un rainbow biome. Alors normalement là-dedans, j'aurais pouvoir trouver des espèces de petites baleines licornes. Normalement. Je crois, hein. Non? Bon bah tant pis. Là il y a un monstre. Hop. Voilà. De toute façon on est sorti du biome alors bon. Oh la vache! Le sprint marche aussi avec la hache levée. Ce qui est complètement OP. Dégage! Oh! Je croyais l'avoir touché. Je croyais l'avoir touché. Hop, on remonte. Ah, agressif. Je peux savoir combien de dégâts je te fais, merci. Hop. Repasse plus tard. Ça vaudra mieux pour toi. Trouver des grenades. Oula. Fait mal celui-là. J'ai l'impression d'avoir eu très très mal. C'est étrange.
comprends pas pourquoi j'ai souffert autant. C'était quoi? Un jus d'ananas. Il est déjà pourri, quoi. Un jus d'ananas pourri. What the fuck? Je viens de le trouver dans un coffre. Tu me diras, ouais, trouver un jus d'ananas dans un coffre. Ouais, j'ai trouvé un vieux jean avec une saucisse cuite dedans. Ah. Goûte-la, elle va être encore bonne. Ouh là là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Hop. On les élimine un par un. Hop, c'est bon. Ouh. Eh ben, ils étaient agressifs ceux-là. Une espèce de tour de garde ici. Qui est très jolie, hein. Vraiment très très jolie. Que j'apprécie énormément. Même si elle ne représente rien vis-à-vis d'un village autour, c'est quand même un très très bon mode. Un camp humain! Un camp humain! Oui! Ah, ça fait du bien! Ah, quand on ne cherche plus, on trouve dans ce jeu. Quand on a abandonné, on trouve dans ce jeu. Quand? Mais comment déjà il aurait pu arriver là, quoi? C'est une planète hyper toxique et il y a un camp humain dessus. Ah bah oui, bah, ah bah ça explique tout. Bon, bien, il n'y a plus qu'à trouver quelqu'un qui accepte de bien vouloir monter dans notre vaisseau, puis ce sera bon. C'est pas déjà fini, ah oui. J'ai pas envie de les piller, ces humains, ils sont magiques. Je vous aime. Je suis comme vous. Vous voyez à quel point je vous ressemble? C'est un camping en fait, quoi. C'est littéralement un camping. Question. Non, je peux pas rentrer dedans. Dommage. Oh, mais lâche-moi! Merci. Ah, Sweet Revenge. Je sais pas à quoi ça correspond. À quoi ça correspond? Ah oui, d'accord, j'ai tué 100 bestioles volantes. Bon, c'est sympa d'avoir les succès, hein, en soi. Bon. Y en a bien un qui va vouloir me donner une quête. Ah! Ouais, mais t'as un casque, je veux pas d'un garde. Je veux d'un humain classique. C'est quoi ces couettes à la Chun-Li? Bon, bah, c'est pas grave. À l'est. Ok, je vais sauver Carlos. Il est parti à l'est. D'accord. On va mettre la quête en track. Aïe. Attendez pas à ce qu'il soit violent celui-là. Hop. Commence à faire sombre un petit peu dans le coin quand même. J'ai cru voir le Xenon Pack aussi à un endroit, donc ça serait peut-être intéressant de le faire aussi. Vas-y, casse-toi, ça vaut mieux, oui. Par contre, c'est loin, hein, je veux pas dire, mais. Faudra que je vois si je peux pas me téléporter. Aïe. Directement sur place. Sale bête! Ils m'ont enlevé 2 barres de points de vie d'un seul coup. Il m'a enlevé 2 barres de PV. Enfin, deux points de PV là. Ça. D'un seul coup. La vache! Ça, je l'ai pas vu venir. Il y a un truc, un coffre là. Là, il y a un humain là aussi qui me veut une quête. Il y a un autre coffre ici. D'accord. Plein de choses que je n'avais pas vues tout à l'heure. Bon, cependant, il faut qu'on ait absolument récupéré tout ce bordel, hein. Oh, il est stylé, lui, avec sa casquette. C'est lui qu'il me faudrait.
Hop. Allez, grimpe. Ouais, non, je préfère m'assurer que... Qu'il viendra pas me taper pendant que je suis en train de grimper. Je les sens plus agressifs qu'avant, ces monstres. Je préfère faire attention maintenant. Allez, on y va. Ah merde, je me suis cogné. En plus, j'ai plus aucune notion des distances dans ce jeu, parce qu'avec le stress qu'il y a eu tout à l'heure. Ah bah c'est ici. Ok, j'ai tout récupéré. Attends, y a plus qu'à tout retrier par contre. C'est-à-dire le bordel. On va passer sur des rouleaux de PQ niveau soins. J'ai besoin de soins rapides et de soins puissants. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah. Voilà. Ne nous embêtons pas. Mais c'est le début de la planète, ça. Non? Ça me dit vaguement quelque chose. Ah oui, c'est loin à l'est, hein. C'est pas... Si, c'est là qu'il y a eu le coffre. On a eu le coffre... Avec les deux, trois petites choses dedans, là. Eh ben, dis donc, c'est loin, hein. Hop. Eh ben, dis donc, c'est solide. Non, c'est bon. Hop. Ah! Wow! Saloperie de camp! Ah non, c'est des prisonniers! Voilà! Bon, question. Si je me téléporte. Est-ce qu'il se téléportera sur le drapeau, sur moi? On va bien voir. Non. Non, non, ça ne l'a pas téléporté sur moi. D'accord. Bon, on se téléporte sur le vaisseau. Et on redescend. Ok, faut qu'on arrive à le ramener jusque là-bas. Ça va pas être compliqué, tiens. Ah, bah l'utilité des commandes est... Ah, pourtant il est arrivé par là. Donc en fait non, t'es pas arrivé apparemment à la zone de départ. Pourtant ça y... Hey, pourtant ça y ressemble. Aïe. Ah mais on n'a pas vu ça, c'est vrai. Hop. Mais regardez ça les dégâts qu'ils m'ont fait. Il va être vraiment grand temps que je me fasse une armure digne de ce nom. Hein. Oh, ça y ressemble! Me dites pas que ça n'y ressemble pas, c'est... Ça y ressemble carrément. Raté, t'es mauvais. Bah si, pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aurais-je perdu le Carlos? Ah bah oui. Non c'est bon en fait ça marche. Ok. Bon bah voilà, Carlo s'est sauvé. Y a pas une autre quéquette dans le coin? J'ai besoin d'un humain à bord. Ah bah... C'est un humain ou c'est une humaine? J'ai un doute. Marley. Je sais pas. One wheat, one sugar, one big seed. Faut que je les plante. Putain. Voilà.
Pourquoi ça veut pas? Parce que c'est pas de la terre à proprement parler? One wheat, one big seed. Je sais pas quoi c'est les. Qu'est-ce que c'est les big seed? Je sais pas ce que c'est. Ah. Wheat, j'en ai. Sugar, j'en ai. Hop. Big seed. Big seed, big seed, big seed. Il m'en a donné, c'est ça, non? C'est les plantes roses. C'est bon, j'en ai. Hop. Bisous au chat. Et on descend. Hop. Oh, j'espère que l'autre, il va pas me suivre. Non, il avait sa clé à molette, c'est bon. Hop. Hop. Je préférais celle avec la casquette. Elle est cool. Falloir que je visite aussi. Ah, je crois que c'était. Ils ont leur chien qui les suit en plus, c'est magique. Falloir que je suive, voilà. Falloir que je creuse un petit peu dans tous ces coffres. Oh, un nid de clown. D'accord. Gag. Non, gag nose, c'est bon, c'était pas une gag ball. Ça aurait été terrible sinon. Ok. Yo l'ami. Tiens, cadeau. Pardon, j'ai pris ton siège. Big Seed Tart. Est-ce que ça accepte de le faire ici? Non. Peut-être ici. Non plus. Bon, bah on va la faire. On va la faire sa tarte. On va la tarter sa tarte. Ça va être là-dedans, j'imagine. Big Seed Jam. D'accord, faut que je commence par faire ça. Hop, et ensuite je peux faire ceci. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'aime bien. Bon. En plus, on va avoir une humaine avec nous, donc ça va être vraiment cool. Ah bah. Ah, t'as une coiffure qui est cool aussi, toi. Oh, faut que j'aille au temple à Vianne. Non, parce qu'il va être dans le fond du donjon à tous les coups, lui. C'est con, parce que tu me plaisais bien, niveau couleur de cheveux, tout ça. Mais ça m'étonne pas que je reviendrai en chercher ceux qui me plaisent, en fait. C'est quoi cette musique? Qui est limite violente. Bizarre. Je t'en prie. Alors. Ah. T'es intéressé? Eh ben écoute. Oh, elle est médecin. Ou il est médecin, je ne sais pas. Bah écoute, je t'emmène. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord du vaisseau. Cool. Bon, c'est génial. Et bah finalement on a trouvé ce qu'on cherchait. Ok. Bon bon bon. J'ai mis le drapeau plus ou moins à l'entrée ouest. Je pense que je vais retourner là-bas et commencer à creuser sur place. Pour récupérer un petit peu tout le bordel. Donc là on l'a déjà fait. D'ailleurs elle est coincée en dessous. Ok. Hop, je saute par dessus. Celui-là on l'a pas fait. Hop. Bon, ça va. Deux matter manipulateurs. Enfin module, oui. Deux matter manipulateurs module. Deux matter manipulateurs module. Voilà, je vais arriver à causer aussi, ce serait pas mal. Un seul ici, c'est un peu moins bien, mais bon. Nous sommes à 16. Combien qu'on nous avait dit qu'il nous en fallait? C'était pour celui-là, il nous en faut 32, il y a le temps. On est tout juste à la moitié. Ok, c'est bien ça. Hop, creusons. Il nous faut trouver. Ah, pas des saloperies. Oh!
merde. Voilà. Problème résolu. Par contre, on y voit strictement rien, hein, je veux pas dire, mais... Hop. Hop, pourquoi pas. Bon, par contre, ce que je recherche, là, j'en trouve pas du tout. D'ailleurs, cela dit, je devrais peut-être déjà commencer par ouvrir ça. Manipulateur module, pourquoi pas, ça en fait 17. Copper or, dommage. Dommage, dommage, j'aurais bien aimé récupérer quelque chose de plus intéressant. Comment qu'on va faire ça? Oh là là, je suis plein de partout, c'est pas bon ça. Alors mes torches, où sont-elles? Là. Hop. Hop, redescends. Ok. Alors tout ça s'en est, mais 3 par 3, je suis pas rendu, quoi. Sans vouloir faire ma mauvaise langue. Hop. Ah, par contre, si je peux pas récupérer la clé, ça va pas le faire. On va virer la Dire Sand... Dire Stone, pardon. Oh mais merde! En plus je me fais agresser. On n'en trouve pas. Hein. Pourtant il y en a. Il est censé y en avoir cette planète. Ah, on voit là un petit peu. Alors vraiment pas grand chose. Hein. Aïe. Non, ça pourrait faire mal ça la prochaine fois. Fais gaffe quand même Marcus, ça serait con de crever sous terre. Hop. D'ailleurs, à propos de ça, on va essayer de se nourrir un petit peu. Hop, ça c'est pourri. Ça c'est pas encore pourri. Est-ce qu'il y en a vraiment sur cette planète ou est-ce que je me suis juste fait avoir par le... Ah la vache. Je peux le combiner. C'est faisable, on l'avait déjà vu. Oula. Mouais. Ça semble pas terrible ce pistolet. Ok, un petit peu de soin, pourquoi pas. Ok, mais je trouve pas du tout ce que je recherche du coup là pour le moment. Hop. Alors, il brille pas. Il ne brille pas, donc je devrais pas les casser, mais ceux qui brillent, vous m'avez dit que c'est ceux qui sont représentés, qui sont comme des coffres en fait, avec lesquels je peux interagir. Enfin, interagir. Je sais, j'ai toujours mis un R à interagir. Je sais pas pourquoi. Ça va devenir une sale habitude en plus. Enfin, c'est devenu une sale habitude à cause des jeux vidéo, justement. C'est de leur faute. Oh, une challenge room. Ça faisait longtemps. Non, il y en avait. Allez donc, ils sont radins, hein. Alors, voici donc la fameuse challenge room. On n'en a pas fait depuis le début de l'aventure. Bah dis donc. C'est parti.
Hop. Ah. Ah. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. Je l'avoue. Hop. Oh, le Lunarang. GG. GG, chers amis. Sniper, j'aime pas. J'aime pas les snipers. Je l'ai pas trouvé. Je les ai jamais trouvé utiles. J'ai jamais compris leur utilité dans le jeu. Vu qu'il n'y a pas de... Oh, de la glace. Ça va être facile à casser. Alors, le dura... Ah, ça, faut que j'en tue. Ça, faut que j'en tue quelques-uns, parce que c'est sur ces trucs-là qu'on devrait trouver normalement le... Le cryonique... Cryonique truc, donc on a besoin pour le couleur, je pense. Ah. Un petit peu ici. Je vais prendre ce qu'il y a maintenant, hein. Je vais être obligé de prendre ce qu'il y a, parce que... Le jeu est extrêmement radin avec. Hop. Il y en a un petit peu ici, je prends. Et par principe, je vais creuser un petit peu autour. Crac. Alors, il y en a aussi un petit peu ici. Ça, c'est cool. Il va nous en falloir au moins une cinquantaine d'or. Donc, de comment de minerais. Pour que nous puissions espérer... faire au moins toute l'armure. Et vous voyez, on a que 44. Hein. Hop, c'est trop peu. C'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. Bon, je sais pas si j'ai lancé un deuxième épisode ou si je suis toujours sur le premier, parce que si je suis sur le premier, il va être long. Hein. Ouh là là. Hop. Un instant, je vais vérifier. Ah bah non, il est pas si long que ça, il dure à peine 32 minutes. On est à peine à 32, un peu plus de 32 minutes de vidéo à ce moment-là. Bah écoutez, on va continuer un peu. Oh, un biome, enfin, un mini-donjon outpost. Hop, il y a quelqu'un dedans. Tu m'en as pas donné, c'est bien dommage. Cool. Hop, parfait. Deux matter manipulateurs, génial. Hop, du coup, on va pouvoir scanner plein de choses ici. Les portes sont déjà scannées, c'est rigolo. Ça va être les mêmes qu'à l'autre poste, je présume. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je peux pas le récupérer parce que j'ai trop de trucs sur moi. Hop. Je vire un peu de terre, hein. Je vais récupérer un peu tous les blocs. Voilà. Ah, je peux pas celui-là. Voilà. Et on a le vrai bandage. Non, c'est pas là que je veux aller. Je veux fouiller ces coffres. Hop. Oh. Oh, c'est mignon. C'est mignon. C'est trop mignon, c'est adorable. Ah. Ah. Qu'est-ce que... Alors, 3-9 par shot, 6-2-5. Ah, il demande plus d'énergie par contre. Explosive burst. On va le mettre, hein. C'est pas grave. On va aller l'essayer. Parce que normalement... Oh. Oh, c'est... Ah, il m'en a donné un. Cool. Bon, bah voilà, on en a un. Ok. Challenge portal. J'aurais bien aimé me soigner avant de me lancer dedans, remarque. Peut-être t'étais plus malin. Hop. Crac. Peut-être se nourrir au passage aussi, vite fait. Hop. Par contre, niveau bouffe, alors que je commence à faire attention, j'ai plus rien de véritablement cuisiné sur moi. Il y a des monstres.
Monstre versus lave, lave, pardon, je prends quoi? Ah la vache, la foudre les ralentit ou quoi? Hop, quand même, hein, il fait mal. D'accord. J'aurais dû m'en douter. Hop, allons-y. Allons-y. Voyez? Bon. On va les faire goûter à notre propre. Il est solide cet homme. Il était solide, hein. Vous l'avez vu comme moi. Ce mec était solide. Hop, parfait, on attend que ça recharge. Il y a du monde là-bas. Est-ce qu'on n'a pas des grenades? Il semble que si. Oh, on a mieux que des grenades. Ah. Ah. Ah non, il saute. Oh la vache. Hop, je les ai eus. Histoire de jouer un petit peu avec les trucs qu'on nous donne. Alors, je crois qu'il faut calculer la bonne distance. Hein. Ah, mais merde! Vas-y, saute. Ah, mais merde, j'étais dessus! Sale bête. J'ai loupé. Oh! Voilà, je préfère. Bon. On va pas s'embêter. Crac. Yo le buffle! Hop, parfait. Des ribs. Cool. Bon, on va arrêter de jouer avec nos armes de. De G, si je puis dire. Ok. Bon, il n'y a pas de niveau supérieur, dommage. Oh. Par contre, là, il y a un coffre. Oh, Vine Fist. Cool. Le Bright Piano et un peu plus. Bon, bah, vous voyez, on a bien fait de jouer avec finalement. Hop. On en a retrouvé derrière. Tiens, il y a deux sorties? Ah non, c'est l'entrée. Oui, c'est simplement l'entrée. Bah, oui, il y a rien à. Pourquoi ouvrir ici alors? Hop. Et on sort. Ok, c'est bon. En plus, niveau quantité de Duracil, on devrait pas être trop mal. Oula. Ouf, ça va, je pensais que ça allait être plus bas. Hop. Bon, on en prend 4 de plus, hein, c'est pas. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh là là. Ouh là là. Ouh là là, la chute. La chute de la mort. Bon. Au moins, on trouve du Durastil, tu me diras. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu pourrais allumer tes lumières, mon pote, s'il te plaît, ce serait. Peux-tu pousser ton dialogue? Ah, je peux pas les allumer. Je peux pas les allumer. D'accord. Oula, 12 de Durastil, c'est bon ça. C'est très très bon ça. Hop. Parfait. Hop. Et ici. Plus. C'est pas du Durastil, mais je vais prendre quand même. Sait-on jamais. Ok, bon bah là il n'y a plus rien à aller chercher par là. On va essayer de remonter. Hop.
Hop, on va essayer de remonter comme ça. Pourquoi il y a de la lumière en haut? Ah oui, c'est mes torches à moi, j'imagine. Hop, oui, c'est ça. Vu que je fais que ça depuis tout à l'heure de poser des torches. Ah, c'est pas là que je voulais arriver, je suis désolé. Moi, je veux arriver encore plus haut. Allez plus haut! Oh là! Allez plus haut! Oh là! C'est que ça? D'accord. Aïe! J'aurais dû m'en douter. Ah, voyez, lui, il brille, mais ce n'est pas un coffre pourtant. Wow! Non, je veux pas mourir! Oh là là! Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. Pas maintenant, pas sous-sol. Pas en sous-sol, pardon. J'ai dit pas sous-sol, je crois. Encore une challenge room. Est-ce que je dois la tenter? Avec tout ce que j'ai sur moi, est-ce que je dois vraiment la tenter? Ça pouvait me téléporter en haut, je veux bien, mais là ça le fait pas. Hop. Non, pour l'instant, le véritable truc à faire, c'est de remonter, je pense. Hop! Un petit peu de lumière serait peut-être pas mal. Hop! Oh mais merde, vous êtes combien? Ah, ils sont tombés, d'accord. On va passer par là. Hop, c'est quoi ça? Non, c'est du charbon. C'était pas ce que je recherche, c'est bien dommage. Titanium et charbon, une fois de plus. C'est trop con. Bon, je peux toujours pas remonter. Ah, je suis mauvais aussi, hein, faut dire. Hop. Crac. Oh, c'est lag. Ah. Hop. Cette musique. Ah, c'est bon. On peut remonter. Bon, on va essayer de se faire l'armure complète. Oh, classe 2, d'accord. Cool. Donc c'est tous les deux en fait, c'est ça. 4 upgrade, 4 upgrade modules. D'accord, bah je les ai, donc on va pouvoir les amener. Mais d'abord. D'abord. Et ben voilà qui est parfait. Voilà qui est par... bah quoi? Silk! Ah si, je dois en avoir par là. Je dois en avoir par là. Non? Ah, j'aurais juré que j'en avais pourtant. Oh, jeu! Bone carving. Ah, j'aurais juré que j'en avais! Alors là, ça me troue le cul. Ah bah dis donc. Eh bah non, bah j'en avais pas. Bah j'aurais juré. J'aurais véritablement juré que j'en avais. Non. Hop. Non plus. Non plus. Et non plus. D'accord, bon. Je sais où est-ce qu'il y en a, remarque, tu me diras. Hop, on se téléporte. Est-ce qu'il va y en avoir suffisamment? Je ne pense pas. Si, juste ce qu'il faut. Comme quoi, on a du bol. On a du bol.
Ce sera donc ici. Hop. Crac. Hop. Ok, je sais pas ce que c'est que ce bruit, mais je cherche plus à comprendre maintenant, chers amis, hein. Ok. Et donc là, qu'est-ce qui manque? Une batterie. Et les batteries, ça se fait où déjà? Ici. Hop. Merci. C'était trop aimable. Il va falloir de l'égisal, du ferrosium maintenant et du violium. D'accord. Eh bien, il y a du boulot, hein. Alors, cet armure fait 30. Alors, 30%, 12, 6, 6. 40%, 14, 8, 8. Je sais pas si ça fait véritablement une si grosse différence. 60, 21, 12, 12. Ah oui, quand même. Là, par contre, oui. Il y a une légère différence qui est un peu plus notable. Et là, je crois qu'on avait la même. 135, 20, 20. Ouais, c'est ça, c'est la même. Mais bon, je préfère avoir l'armure complète. Ok, où est-ce que j'ai de l'espace? Ici. Crac, 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 crac. Quand même beaucoup de bordel sur nous. Hein. On a quand même beaucoup de bordel sur nous. Bon! Donc on a une armure complète. Ça, c'est déjà fait. Silicone board, copper wire, d'accord. Board, pardon. Fish dumplings. Écoute, fais péter. Ah, je croyais avoir cliqué, excusez-moi, hop. Hop, on va tout cuisiner. Sauf les bonbons, le chocolat non plus. Tanjus, non. Quoique, le Tanjus, non. Non, non, non. Et je crois qu'il perd en nourrissant, entre guillemets, si je puis dire. Bon, bon, bon. Ah oui, on peut aller voir vite fait à l'autre poste pour améliorer le vaisseau. Et comme ça, ce que je vais faire, c'est que quand on reviendra, avant de revenir, je couperai fin, je mettrai fin à l'épisode simplement. Et quand on reviendra, on aura l'accès, enfin la visibilité du nouveau vaisseau. Hop! Hello there! Voilà, allez, travailler. Upgrading ship. Bon, ok. Eh bien écoutez chers amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode je pense. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, parce que le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop.